quand on regarde cette histoire de l'univers et qu'on voit cette croissance de la complexité, on se dit, ça se lit comme une belle histoire. On se dit, on voit les planètes, les galaxies, tout ça, on voit les atomes qui se forment. Et on se pose la question, est-ce que ça correspond à un projet? Est-ce que tout ça était planifié? Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu? Donnez le sens que vous voulez. Et on se retrouve à se poser une question métaphysique, dans le fond. Et d'ailleurs, c'est une question métaphysique que les êtres humains n'ont pas attendu, les astrophysiciens, pour se poser la question de savoir si la vie a un sens, s'il y a un organisme, s'il y a un au-delà, s'il y a une transcendance. C'est une question que l'humanité s'est posée depuis toujours. La morale, la religion, la génétique disent les valeurs. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Chacun le décide. Dans quelle société voulons-nous vivre? La science ne peut rien dire à ce sujet, sinon donner des renseignements. La science, elle vous dit comment ça marche. Eh bien, c'est très important pour quelqu'un qui veut prendre un jugement de savoir comment ça marche. La question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela, c'est une question dont la seule réponse valable pour la personne qui la pose, c'est sa réponse à elle. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de réponse. Quand je vais au concert et que j'entends un quatuor de Schubert, et que je me dis, cela pourrait-il être le fait du pur hasard, ça ne colle pas. Quelque chose qui est démesuré, là. Mais alors, je me dis, si ce n'est pas le pur hasard, c'est quoi? Mais je ne sais pas, justement. Ma question, c'est quoi si ce n'est pas le pur hasard? Je dis, je pense que je suis croyant. Les gens me disent, êtes-vous croyant? Je pense que oui, mais je ne sais pas très bien en quoi. En tout cas, en aucun des dogmes d'aucune des religions qui me paraissent tous avoir un certain intérêt. Je ne dis pas que je ne crois pas, je crois qu'il y a un certain intérêt. Mais je crois qu'aucune religion n'a le monopole de la vérité, ce qui a été le grand tort de l'Occident. Et c'est à ce titre qu'on a fait des credos, qu'on a fait des guerres de religion, qu'on a fait des oppressions, des inquisitions, qu'on a pensé avoir atteint la vérité. Ça, c'est un mythe, et c'est un mythe dangereux. Ça n'est pas en créant des credos, ça n'est pas par les concepts que l'on peut atteindre à la profondeur des choses. C'est tout l'être, y compris les émotions, les sentiments, qui peut percevoir, qui peut se confronter à ce qu'il y a derrière la réalité. Ce n'est pas simplement les concepts, la logique et tout ça. Quand les gens me demandent si je suis croyant, je leur dis toujours d'abord, la réponse à la question, aux questions, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, ces questions ne peuvent être que personnelles. Et les réponses ne peuvent être que personnelles. Les réponses, chacun se les fabrique. La science ne peut pas répondre à ces questions. La science ne peut pas vous dire si Dieu existe ou s'il n'existe pas d'ailleurs. La science ne peut pas vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Elle peut vous dire comment, par exemple, faire des manipulations génétiques. Elle ne peut absolument pas vous dire si c'est une bonne idée d'en faire ou pas en faire. Ça, ce n'est pas dans son registre. Cette question est fondamentale. Mais ça, c'est un domaine tout à fait à part. Quelque chose qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours infiniment.